Alors là, les oiseaux, je vous emmène à l'Enduropal du Touquet avec Stéphane Paulus. Et là, tout de suite maintenant, là, je suis comme un gitan au salon de la caravane, mon cousin. On n'est pas bien là? On va chercher un petit camping. Seigneur Jésus, mais un beau camping qu'on a là. T'as pris ta guitare? J'ai pris la guitare et tout. Nickel. Au Touquet, nous. Le Touquet, c'est un truc, ça se mérite. Il fait extrêmement froid dans ce pays, carrément. C'est pas le Touquet, c'est la fin. Ouais. Alors là, c'est le premier jour. On va aller amener au contrôle technique le quad. Et après, on va déposer le quad en parc fermé. En attendant, Stéphane est en train de courir après un magasin de vélo parce qu'il a crevé un pneu de son fauteuil roulant. Ah, ça, c'est ton petit chariot? Ouais, ouais. A mon avis, t'es pas très confiant au niveau du contrôle technique là. Les courses, c'est la même. C'est la t'as emmené 2-3 tuyaux. Allez les gars là, chaud chaud chaud. Bon les gars, par le plus pur des hasards, je me retrouve à un endroit tout seul. Je vais avoir le départ en live. Telle des bêtes en cage, ils sont enfermés. Le dompteur est là, un œil aguerri. Entire ecosystems. Nous on les écoute. Hein. Voilà, on est en sens interdit, on se fait escorter par la police. En fait, là, après le contrôle technique du quad, on va aller faire le contrôle technique de l'équipe. L'équipe technique, ils ont besoin de voir qu'on tient la route, quoi. Et regarde qui c'est qu'on croise ici. Et pour Steph, banzai! Ouais, et puis un deuxième. Voilà. On va récupérer nos accès. Conduis la moto! C'est Henri qui conduit la moto! Oh, la moto! Ouais, il est 6h30 du mat. Tout le monde est déjà sur le pied de grue ici pour préparer le quadruple. Oh là là, putain, à 12 dans un camping-car là pour habiller Stéphane. Putain, ça fait 5 fois, je te dis, tire le choc. Voilà. On va transbaïter tout le matos pour le ravitaillement des quads. Les gars, faut qu'on emmène ça où? Oh là là, tout là-bas là. Seigneur Jésus, c'est loin. L'important, c'est d'avoir quelques mecs solides pour porter ça jusqu'à l'autre bout. Voilà, une équipe solide, une fière équipe solide, beaucoup plus solide pour l'apéro du coup. Hein, j'ai pris toutes les affaires sur le chariot. Je tiens la couverture pour une fois que je fais un truc. Voilà, c'est déplié, on est prêt. Ça va bien là ? Seul sur le quad, les yeux dans l'eau. Mon quad était trop beau. L'hiver qui s'achève, on gagnera. Après, je sais plus dire quoi. Après, tu pourras. Impeccable. On a Kevin Lignac qui nous fait les pattes. Bah, Stéphane, du coup, c'est quoi la stratégie pour un beau départ? Tu mets en rupteur et tu donnes tout. T'y crois, toi? Grand ciel bleu sur le Touquet. Incroyable. Parce que t'es là, Jérôme. Voilà, merci. Le soleil. Non, 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 non
Simon, tu la sens comment là le départ? Gaz. Gaz, voilà. Gaz et puis après on verra. Ouais. Aïe aïe aïe, c'est parti. Bon, on se voit au ravitaillement. Hein. Allez, vas-y, fais-nous un beau départ. Allez hop, là on va rejoindre le point de ralliement du quad. Julien, il va prendre le départ. Stéphane, il se prépare psychologiquement pour son relais. Et ça va bien se passer. Ça s'excite un petit peu. Non, on se prépare là. Alors, tu la sens comment? Bah, écoute, ça va être la guerre là parce que le terrain dans l'état où il est, je sais pas si c'est un cadeau de prendre l'Orlais maintenant. Ouais. Derrière, il arrive, regarde. C'est hardcore? Non, le droit ça va. S'il y en a un qui se loupe, aïe aïe aïe, s'il y en a un qui se loupe, on est au prochain showcase de Tupac. D'avoir fait autant de route pour regarder la télé, hein. Stéphane, il est dans la ligne droite pour arriver à l'arrivée d'ailleurs. Et nous, comme une belle brigade d'intervention, on va aller le rejoindre à l'arrivée. Et enfin, déjà, on va voir s'il arrive. Mais ah ouais, partir dans le dur comme ça. Et tu sais, allez, oups, j'en pouvais plus des douches. C'est ça la fin. Ouais. Comment tu fais? On est parti. Ouais. J'ai pris des douches. T'as vu, c'était rempli ouais, de flotte. Moment, là, ouais. Rempli avant l'arrivée. Rempli de flotte. Ah ouais, ça va, moi. Ah bon, ils m'ont douché direct. Alors officiellement, pour la deuxième participation, finisher encore. Un finisher, on voilà, l'a fait. Voilà, double finisher. Franchement, on l'a fait. Merci à tous les partenaires, merci aux copains qui sont là, parce que franchement, sans eux, on le ferait pas. Mais franchement, je remercie Paul, je remercie Suzuki, je remercie Unique, je remercie AMV, je remercie, j'en oublie, BS Batterie, France Équipement, France Barnum, AMV, merci tous de me soutenir, merci aux frangins, merci les gars. Merci tout le monde. Parce que... c'est grâce à vous. Et merci à qui? Merci à Jackie Michel. Tu connard, celui-là. La faille aussi. Je me trouverai de nouveaux horizons. Et je finis parfois par tourner. Bon bah voilà, le quad Europal, c'est fini. Je vous laisse sur quelques images du départ de l'Enduropal du coup. Et on va voir impressionnamment un beau petit paquet de motos qui vont passer devant nous. Bon, bilan du week-end.
Bon, encore un bon week-end, une bonne organisation, merci à l'équipe et une belle expérience avec mon frangin parce que voilà, on a rallié l'arrivée, c'était un peu le projet et voilà, de vivre ça tous les deux, c'était juste énorme, une belle course, on s'est fait plaisir, on a passé un bon week-end. Et, merci les potos. Voilà. Allez les gars, profitez bien.